Allez, on va repartir dans Prey. Franchement, je kiffe à mort pour le moment. C'est vraiment cool. Niveau gameplay, l'histoire aussi est cool. Pour l'instant, les habilités sont sympas. On m'a dit qu'on en débloquait plus. Donc on va voir ça. Mais vraiment, vraiment bien. J'aime bien quand les jeux... Comment dire, tu te plonges dans l'histoire sans problème en fait. Y a pas de genre. Ah tiens, le gameplay est chiant, ça me sort du jeu. Ah tiens, y a machin qui n'est pas intéressant, enfin voilà. C'est vraiment bien. Et je regrette de pas l'avoir fait quand il est sorti en fait. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Arrête de me donner les contrôles du de la manette, sinon je la débranche. Ok, on est bien. Oups, pardon. Prêt. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on a plein d'équipements. On a un neuromode. Neuromode. Un seul. Ok, on doit faire quoi? Si je me rappelle plus. Trouver le membre de l'équipage, donc il y a Hendrik. On doit trouver, ça sera plus tard. Et pénétrer dans le TEG. Psychotronique, c'est ça ce qu'on est en train de faire, je crois. Ouais, c'est ce qu'on est en train de faire, ok. Bon, c'est parti. On va essayer de pas crever, de pas se faire bouffer par des bestioles. Aha. Laisse la faire. Je me fatigue trop vite par contre. Kit de réparation osseuse. Ok, ça marche. Comment on remonte? Ah, ouais, ça c'est con ça. Bah voilà. J'ai appris la touche de la sauvegarde rapide. Ok, y a un mimique qui est passé. Ça va. Vache. Là, y a rien. Non, y a rien. Ok, ça marche. On continue. Tada, mimique, t'es où? Ah. Non. Ah, je crois qu'il y a une grosse bestiole là. Rien que d'entendre le bruit. Ah ah. Ah. Ouf, je tape trop, faut rester cool. Oh, c'est là. Je suis bloqué.
désolé. C'est étrange, j'arrive... Non. J'ai dû me bloquer dans la panique, en fait. J'arrive plus à sortir, en fait. C'est tellement con. J'ai perdu de la vie pour rien, c'est bien. Ça fait un régène, ça? Ouais, c'est un régène. C'est moi l'avant-poste de la flotte royale le plus proche. Trevor, c'est vous. Ici l'avant-poste lambda, nom de Zedloar. Où étiez-vous? Toi, répondit imperturbable. Je vous... J'arrive plus à lire, moi. Je vous sauvais les miches, j'ai trouvé le prisme de distorsion et je rentre en moins de 2. Prisme de distorsion, je sais pas trop. Ok, on va essayer de se concentrer parce que là j'ai du mal. Là, j'ai un peu de mal. Psychoscope mandatory beyond this point, ok. T'es obligé de passer par... Par la douche. Étrange. Qu'est-ce qui se passe? Ah, force physique. On va voir si on peut pas faire le tour. D'abord. On y va. Par contre, faudra se faire des munitions. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Tellement un mimique ici, je sais pas pourquoi je le sens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça va, Allison? Tu veux pas y aller en premier? Ça me dit rien qui vaille, en fait. Bon, là, du coup, je parie qu'on peut pas y aller, c'est ça? Psychoscope requis au-delà de ce point. Psychoscope requis au-delà de ce point. Évidemment. Allison, ici. Merde. Je l'ai mis où? Allison. Vache. Yes.
froid d'un coup, ça. Encore un. Fait un peu chier de... De s'être fait défoncer par l'autre, là. Là, il faut quoi? Force 3. Oh la vache. Est-ce qu'il n'y a pas une ouverture? Non, on est trop petit. Enfin, on est trop gros plutôt. Qu'est-ce que je raconte? Alors, non. Ouais, bon, on reviendra plus tard. Gelé. Qu'est-ce que c'est ça? Le psychoscope a été une révolution. Détecteur de mimique première génération permet de détecter les mimiques cachées. Oh, yes. C'est la technologie la plus importante de Talos One, avec les neuromodes. Servez-vous-en sur les Typhoons pour savoir comment ils fonctionnent. Au fait, c'est vous qui l'avez inventé. Au fait, c'est vous qui l'avez inventé. Ça, ce bruit, par contre. Pour marquer et scanner les ennemis à proximité. Scanner les Typhoons pour révéler... Non. Scanner des Typhoons vous révèle quelles nouvelles capacités vous pouvez obtenir en installant des neuromodes. Ok. Sympathique. Scan terminé. D'autres spécimens sont requis. Oh la voix. Okay. D'accord. Extrait de base de données du département psychotronique. Ça, c'est bien qu'on puisse les étudier. Figurant parmi les premiers typhons découverts de l'incident de Vorona 1. En 1960, les mutants sont capables de répliquer la forme d'objets proches. Utiliser d'autres organismes vivants comme autres productifs tuant leur proie dans le processus. Faiblesse, glu, canon cul. Pouvoir à scanner. Mimétisme 1, 2 et 3. Immunisé contre les IEM. Sympa. Ok. Plutôt cool. Ah.
Faudrait que je puisse le rechercher sans qu'il me défonce en fait. Voilà. Vraiment des balles de fusil. Ça va être là-bas. Qu'est-ce qu'on avait avant ? Non, il faudrait que je parte en fait complètement. On n'a pas le code, on peut pas mettre de code. Scanner. Ah, une tourelle. Recherche terminée. Oh waouh, ça zoome. Faiblesse électricité, explosion corps à corps, musée psychique et onde zéro. Ok, ça marche. Ok. Ok. Ouais. Je regarde s'il n'y a pas un moyen de. Genre une bouche d'aération qui mènerait à quelque part, mais que dalle. Bon, on avance. Peut-être pas passer au milieu. Vraiment cyclescope cool, ce scan. Requis au-delà de ce point. Vraiment cool, j'aime bien. Qu'est-ce qu'il sait ? Scan en cours. Les neurones radio montrent que votre potentiel psychoactif a atteint le seuil maximum. Recherche terminée. Ah, ça remet. Ça remet des pouvoirs en fait. D'accord. Fais pas le bruit comme ça. Ça, c'est pour les pouvoirs. Ok, on a 3. Ouh, énergie. Alors, explosion cinétique, génère une onde de choc qui inflige jusqu'à 50 points de dégâts et repousse tout ce qui se trouve dans un rayon de 5 mètres dans la zone d'effet. Ok. Genre ça, ouais, ça c'est bloqué parce que j'ai pas scanné en fait. D'accord. Capacité inconnue. Bon après c'est inconnu. Explosion cinétique 2. Okay. Transformation. Que me faites-vous en prenant l'apparence d'un objet proche? Prenez l'apparence d'un objet proche. Le... Imiter des machines complexes comme des opérateurs. Utilise de... Wow, on peut. Comme des opérateurs, carrément. Télépathie. Ah, télépathie, je connais rien. Ok, bon, il y a plein de pouvoirs. Eh ben, on n'a pas fini. Vraiment pas fini. Très bien, Morgan. Je sais que tu n'en fais qu'à ta tête. Mais tu vas y rester si tu ne m'écoutes pas. Il faut que tu calibres ton psychoscope. Essaie de scanner les spécimens de Typhoon autour de toi. Une fois que tu auras suffisamment de données, les labos s'ouvriront. Mais surtout, tu pourras installer des neuromodes de Typhoon. Plus rien ne pourra t'arrêter. On touche enfin au but, Morgan. Tu as passé 3 ans de ta vie à rendre ça possible. Nous inoculer leur pouvoir. Tu l'as simplement oublié. C'est un peu bizarre. Je pense que lui, il est pour les bestioles et tout ça. Salut Zod. Salut Thème, bienvenue. Je pense que lui, il est pour récupérer des pouvoirs et tout ça. C'est un peu étrange. Pourquoi il essaierait de nous en empêcher en fait. Enfin, plus. Bonjour. Ah. Okay. Enfin, je sais pas, c'est étrange. Pour le moment, c'est étrange.
faut détruire ça. Mimique. Scan terminé. Recherche extraterrestre. Nouvelle attitude psy. Oh, ce bruit. Comme ça gueule. Alors, on a débloqué. On a débloqué ça. On peut faire mimétisme. Sympathique. Alors, filez-vous derrière les ennemis ou en espace exigu en vous transformant en objet anodin. Pour activer le mode visée psy, le sourire à l'ennemi. Ok. Ça peut être intéressant. Ça. Très bien. Je t'envoie le code d'un coffre dans le bureau du directeur Kelstrup. Je suis sûr qu'il y a caché des neuromodes. Utilise-les pour intégrer une capacité de Typhoon. Fais-le, et tu vivras peut-être assez longtemps pour qu'on se revoie. C'est parti. Il est derrière une glace. Huh. Voilà. Il est part. Allez, hein. Alors, il nous faut des... ouais, cartouches. Très bien. Et des balles de flingue. Ah, le reste, on est bon. Encore. Autoriser l'accès. Mail. Ok. Je fais un peu vite, je lis pas trop les emails parce que. Parce que. Je, voilà. Voilà le truc. Qu'est-ce qu'il manque ? Après, on pourrait le réparer, mais. C'est un peu gaspiller des. Gaspiller des balles en fait. Enfin, des munitions. Oh putain. Alors, hop là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en plus? Ah, ça. Et celui-là. Voilà. Ce scan est vraiment stylé. C'est abusé quoi. C'est quoi ça? Terminé. Fantôme. Ah, c'est un fantôme qui est à l'intérieur.
nouvelle aptitude psy disponible. Ah. Génère une onde de choc. Ça c'est pas mal l'onde de choc. Je vais prendre l'onde de choc je pense. Succès déverrouillé. Connais ton ennemi. Oh là, oh là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ne les laisse pas t'infliger ça. C'est en écologique. Qu'est-ce que ça fait? Tu te souviens? La première fois, tu avais dit que c'était comme être à l'extérieur de toi-même. Comme si le temps lui-même s'était agenouillé, attendant ta décision. Tu as fait bouger ma chaise sans la toucher. Ça m'a donné des frissons. Tant de possibilités. Tu as évolué en quelque chose d'autre ce jour-là. Quelque chose de supérieur. Dès cet instant, j'ai su que notre mission était d'élever l'humanité de la même manière. Ok, donc il est devenu plus ou moins jaloux de ça. Certains pouvoirs se déclenchent instantanément en pressant, tandis que d'autres requièrent une cible pour arrêter le temps, passer en mode visée psy. Maintenant, servez-vous pour viser, relâchez ce bruit. Ok, ça marche. Ok. Le conduit de maintenance. On va voir ça. Bah, doucement sur les spoilers par contre, hein, c'est la première fois. Allez, viens ici toi. On va devoir faire des escaliers. Ok, là c'est là. Là j'ai l'impression qu'il y a des bestioles, pas des bestioles mais des choses. On peut monter sur ça. Ah! Comment on va faire ça? Non, ça... On va faire un escalier. Bonjour. A savoir que si tu installes beaucoup de neurones pour débloquer les capacités aériennes. Ah, ok. Les stations et tout de... On pensait que je suis un monstre. Ok, ça marche. Oh la vache. Je suis pas doué pour ça. Ah, on y est. Arrête de faire ce bruit, quoi. Ça c'est fait. Ah, saloperie. Saloperie. Tu veux pas me donner du psy, robot? Putain, faut que je te scanne. Et merde. Peut-être qu'on a un robot là. Demande de nouvel opérateur. Il y a une hostie en cours. On dirait que vous avez eu une rude journée. Si vous ne bougez pas, ça ne prendra qu'un instant. Voilà. Très bien. Tout va bien. Vous pouvez remplir le questionnaire de satisfaction à la réception. Je vais le faire.
excuses. Très bien, très bien, très bien. Très bien. Aucune nouvelle donnée. Ah, c'est les... Chaque fois que je vois un truc qui bouge maintenant, je me demande si c'est pas... une bestiole. Un mimique. C'est d'abord de les scanner. Excusez-moi, bougez pas. On va être dans la merde. Ou alors on les gèle. J'ai besoin de tous les scanner, en fait non, peut-être pas. Lui il est aussi. Non, ok. Aha. Nouvelle aptitude aussi disponible. Ah si, il y en a encore un. D'autres spécimens disponibles. Merde. PC. Qui était bientôt fini, mais je l'ai tué avant. Un autre qui était bientôt mort. J'ai piégé des mimiques à l'intérieur. Cool. Par exemple, méta-analyse de plus de 2000 expériences. J'enflède. De toute façon, ok, ça marche. Tac, tac, tac. Là, on va s'amuser s'il faut scanner à chaque fois les choses. Ah. Comment ça marche déjà? Ah oui, c'est... Ah, merde. Quoi? J'ai réussi à oublier ma carte d'accès à la morgue. Dans la morgue. On l'a déjà, je crois. Je crois qu'on l'a déjà. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ah
Ah ouais, mais toi tu fais un peu chier. Diagnostic en cours. Blessure superficielle. Rien de trop grave pour un équipement médical portatif. Vous serez sur pied en un rien de temps. Voilà. Tout va bien. Vous pouvez remplir le questionnaire de satisfaction à la réception. Yeah! D'autres spécimens sont requis. Et l'autre? Ah, l'autre aussi. On les perd au bout d'un moment, apparemment. Yes! Expérience cinétique 2. Cool. Nouvelle aptitude aussi disponible. Ok, cool. Le temps des chargements entre chaque jeune est super long sur Xbox One. Ah, fait chier ça. Non, ici ça, sur PC ça va, ça marche très bien. Genre c'est une même moins d'une minute quoi, pas de problème. 75 de dégâts. J'ai 68 de psy. Comment j'ai récupéré du psy? Tout seul? Je voudrais bien voir les dégâts en fait. Pardonnez-moi. Top. Salut. Goloto. Saloperie. C'est bon, on est plein de vie, ça va tout bien. Maintenant je regarde chaque coin. Oh. Ok, on vient de là. Et y'a un truc électrique en dessous, au-dessus? Ou pas? Arrête de me pousser! Putain! Non, c'est bon. On vient de là, ok. Regardons un peu la map. Par où on va passer? Là, on avait distributeur d'opérateurs, ok, truc de soins. PNJ marqué. Où est-ce qu'on les a fouillés? Que je les ai tous fouillés. Merde. Oups, désolé. Bonjour, réflexe. Réflexe. PNJ marqué. Quoi, il est au-dessus? Pardonnez-moi. Est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus? Hé. Non, il n'y a rien, ok. Oh. Ça va? Ok, on l'a déjà. Putain de merde. On l'a déjà scan. Puis-je vous aider? Diagnostic en cours. Terminé. Veuillez remplir le questionnaire de satisfaction afin que je puisse améliorer mes services. Bonjour. Bingo. Bonjour. Bonjour. On a déjà fait ici. Je tourne en rond, c'est cool. On a déjà fait cette partie. Bonjour. Bonjour. De l'autre côté, du coup.
Je kiffe glisser sur le sol, je sais pas pourquoi. Allez, on avance. La tourelle, elle est complètement aveugle. Terminé. Mimétisme 3. Nouvelle aptitude psy disponible. Docteur Yu. Allez, tourelle. Ouais, bien joué. Aha. C'était con. Il y en a plusieurs. Il est où l'autre? Ah, là-bas. Il y en a trois. Ok. Non, je voulais pas la pirater, putain. Je voulais pas la pirater. Ça sert à quoi de la pirater en plus? Ah non, si j'ai capté en fait. Si jamais je fais trop de... Si je deviens un monstre pour eux, je peux les pirater, comme ça elle travaille pour moi. Non, non. Scanner prêt. Aha. Qu'est-ce que c'est que ça? Mimétisme Typhon partie 1. Qu'est-ce que c'est que ça? Émetteur d'onde 0, développé au sein du département psychotronique. L'émetteur d'onde 0 émet une impulsion constituée de signaux neutralisants pendant une durée limitée, la capacité psionique de toute entité prise dans un certain rayon. Ouh. Ok. On va garder ça pour des boss. Déployer les ondes 0. Ça va un peu. Ah, c'est cool. Scan terminé. D'autres spécimens. Mimique sont supérieure. D'accord. Sympathique. Très sympathique même. Bon, par contre, toi tu me fais chier. Sert à rien cette tourelle. Elle est mal placée en fait. Je crois qu'il y en avait un autre. Attaque surprise sur Mimif factice. Putain! Okay. Très bien. Pourquoi tu récupères toutes les notes? Depuis quand tu les lis plus les notes? Oh la fa... Ok. C'est pas prévu ça. Ah.
Vas-y, ouvre. Oh putain, merde. Veuillez vous soigner.